va encore lever la voix pour dire merci au Seigneur. Regarde un peu autour de nous l'Afrique, il y a la guerre, c'est la guerre, c'est des maladies ici. On parle de Ebola. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, on parle de Ebola. Vous voyez, Dieu nous a fait la grâce. Ce pays, la Côte d'Ivoire, est un pays vraiment béni de Dieu. Vous comprenez? C'est un pays vraiment béni de Dieu. Regardez un peu en Sierra Leone. Cette épidémie est en train de faire des ravages, c'est pas possible. Mais Dieu nous a gardés pour ce pays. Tu vas lever la voix. Tu as dit, Seigneur, je suis reconnaissant. Parce que, bien-aimé, si dans ce pays-là, s'il y a une maladie qui rentre, s'il y a la guerre, ton projet qui te tient à cœur, tu ne peux pas le réaliser. Laisse-moi te le dire, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. C'est pourquoi tu vas lever la voix avec quelqu'un reconnaissant et tu vas dire, merci au Seigneur, Seigneur, merci. De ce que tu m'as donné, un si beau pays, la Côte d'Ivoire, j'ai à manger, tout se passe bien. Vraiment, Seigneur, merci pour tout tes bienfaits. De ce que cette maladie n'est pas encore entrée ici et ne rentre jamais même ici, élève la voix et te dis, merci au Seigneur. Entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice et nul ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses bêtes et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et affrontent le crime. Bien-aimé, vous dit que ce matin encore, tu vas demander pardon encore au Seigneur. C'est très important. Toutes les phases du culte sont importantes. Tu vas demander pardon au Seigneur pour les péchés de tes parents. Certainement, tu diras que je n'ai pas péché. Mais laisse-moi te dire que tes parents ont péché. Parce que tes parents n'ont pas connu Jésus. Nos parents adoraient des pierres. Nos parents adoraient des forêts. Nos parents adoraient des cailloux. Nos parents adoraient des forêts, des rivières, des eaux. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Et toi, nous demandons. Regarde un peu ta vie, c'est pas facile. Mais on paie des choses qu'on n'avait pas faites. Les crimes, les actes que nos parents ont posés, nous les payons. Et nous-mêmes aussi, on a posé aussi des actes par moment. On n'a pas payé le nom du Seigneur. Alors c'est pourquoi ce matin, tu vas demander au Seigneur, que tu vas citer ta famille. Dis Seigneur, dans ma famille, on a adoré des rivières. Dans ma famille, mes parents, la maison de mon père et la maison de ma mère, Seigneur, ils n'ont pas connu. Ils ont. Ils étaient idolâtres, ils ont adoré des faux dieux, ils ont commis des abominations, le sang a coulé, ils ont tué des gens dans le monde de la sorcellerie. Et ce sang, ils le sont là, ils crient vengeance. Et cela te bloque aujourd'hui dans ta vie. Cela te pose beaucoup de problèmes et tu n'arrives pas à toucher avant de bonnes nouvelles. C'est à cause de cela, certainement. Alors tu vas prendre cette étape très au sérieux, tu vas prendre la position qui est tienne et tu vas demander certainement pardon, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi et pardonne à la maison de mon père pour tous les esprits. Pour toutes les iniquités et pour tous les péchés dans le nom de Jésus. Amen.
Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, comme tout à l'heure je le disais, c'est sur la parole de Dieu qui va t'apporter quelque chose. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie, ce n'est pas autre chose. Et je pense que si tu étais là où tu étais pour venir ici, c'est pour la parole de Dieu, parce qu'elle sera semée ce matin dans ta vie. Amen. Alors ce matin, tu vas prier contre tout esprit de distraction. Ça, c'est les esprits qui sont subtils. Tu as l'impression que quand tu pries, tu dis à l'esprit de distraction. Mais bien aimé, ce sont ces esprits-là qui vont te distraire quand la parole va passer. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire tout esprit de sommeil, d'assoupissement, tout esprit de sommeil et d'assoupissement, tout esprit de distraction, soit lié, soit détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et tu pries. C'est des mois où on fait les programmations. Le mois d'octobre, de novembre et de décembre. C'est des mois qui sont stratégiques dans le monde spirituel. C'est des mois stratégiques. Alors ce matin, quand tu vas encore prier, tu vois, l'ennemi, il a plusieurs façons de procéder. Tu es quelque part, mais tu as l'impression que ça parle tout ce que tu fais. Il pose sur toi, on appelle ça les caméras spirituelles, ou bien des radars. Tu es quelque part aux États-Unis, mais ils sont ici. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'ils ont des radars. Il n'y a pas longtemps, on a tenu une grotte à Gros. Je sais que tu es témoin de ça. C'est comme un radar. Cette grotte-là était comme un radar. C'est-à-dire qu'on s'appelait toutes les informations. Toutes les personnes liées à ce village avaient toutes les idées. À partir de cette grotte, on avait la vie de toutes les personnes. Vous voyez? C'est pas ce matin. Tu as dit au Seigneur, il faut que tu aies dans ta bénédiction. Alors, si on avait placé des caméras sur ta vie, tu vas dire toutes les caméras qui ont été placées sur ta vie, les miroirs spirituels. Parce que le sorcier, il est là-bas, mais regardez, il a des canaries. Et dans le canaries, il te voit. Tout est fait et geste, il te voit. C'est une prière qui est très importante. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais tu vas briser les caméras. Tu vas dire, en ce mois d'octobre, il faut que tu témoignes. Parce qu'on a à 3 mois de la fin de l'année, bien aimé, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Dieu peut encore faire quelque chose. Mais tu vas dévoiler ta détermination et ta façon de prier. De ta façon de prier à chaque fois que les sujets seront donnés. Alors tu vas briser toutes les caméras spirituelles, les radars, les miroirs qui ont été placés sur ta vie. Tu vas le briser au nom de Jésus. Et là, t'as même dit, fâche-toi, fâche-toi.
Est-ce que vous avez vu pendant la prière, papa a appelé ici la jeune soeur qui a l'enfant en dos. Il a dit, tu n'es pas sorcière. On t'a revêtu d'un vêtement spirituel, un vêtement de sorcellerie. Et pour celui qui n'a pas les yeux, il dira que tu es sorcière. Bien-aimé. Ça veut dire que dans le monde spirituel, on peut t'habiller d'un vêtement sale. Un vêtement sale, ça c'est une prière qui est très importante. Un vêtement, quand tu as habillé d'un vêtement de misère, de pauvreté, c'est difficile que quelqu'un t'aide. On peut te revêtir d'un vêtement de rejet. Un vêtement de rejet. Partout où tu vas, bizarrement, on ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu portes un vêtement de chômage. Tu ne peux pas avoir du travail, c'est difficile. C'est quoi ce matin? Tu as dit au Seigneur, tout vêtement sale dont j'ai été revêtu dans le monde spirituel et qui influence ma vie par la puissance du sang de Jésus. Tu vas détruire tous ces vêtements, tu vas te débarrasser tous ces vêtements, tu vas dire le sang de Jésus, lave-moi tous les vêtements sales, sang de Jésus, lave-moi les vêtements sales dans ma revêtue qui m'empêche d'avancer. Je me lave par ton sang, Seigneur, que tous les vêtements sales disparaissent au nom de Jésus. Je lève la voix et tu pries. Nous sommes dans le mois d'octobre, il faut que Dieu te fasse des connexions, il faut que Dieu te connaisse à de bonnes personnes. Il faut que tu croises de bonnes personnes qui vont te faire changer ta destinée. David a croisé Samuel et sa vie a changé. Bien aimé, ce matin, quand le Seigneur, Père, ce matin, en ce mois d'octobre, je vais témoigner. Alors, Seigneur, guide mes pas vers de bonnes personnes, ceux que tu as prévu pour me bénir. Seigneur, envoie-la vers moi en ce moment encore que je puisse témoigner dans le nom de Jésus. Élève la voix et tu pries. Afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alors tu vas demander au Seigneur, certainement que tu es venu ici pour une situation. Bien aimé, l'Éternel te donne encore l'opportunité de lever la voix vers lui.
Tu as une minute. Va dire Seigneur, Seigneur, s'il par toi cette situation. Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit demander et l'homme donnera. Je ne sais pas comment tu vas demander, mais je pense que tu vas demander ce matin, Seigneur. Il dit Seigneur, voilà ma situation. L'année est en train de s'écouler. Oh, éternel, je compte sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Voilà telle situation. Seigneur, fais que je puisse témoigner avant que l'année ne finisse. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est une occasion pour que tu pries. Que tu demandes au Seigneur ce pourquoi tu es béni. C'est que tu as faim de l'éternel. Élève la voix et tu pries. Amen.
ce matin, le Dieu de la justice, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Merci ce matin, notre Dieu. C'est toi qui nous l'as dit, que Israël sera porté dans ta maison afin qu'il ait de la nourriture. Ce matin, notre Dieu, nous te confions cette offrande. Bénis tous ceux qui t'ont apporté, qui t'ont donné ce matin de bon cœur et de foi. Bénis aussi ces personnes qui n'ont pas eu, afin que la prochaine fois, tous ensemble, nous puissions apporter dans ta maison afin qu'il ait de la nourriture pour l'évolution de ton obésité. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. En cela, s'il vous plaît, la loi en se lève. Thank you.